2 ans. C'est la même que l'autre, hein. Encombrement, foyer restituant de la base droite. Donc elle vient vous voir en consultation parce que ben, elle est encombrée. Et puis elle a eu des radios régulièrement, on montrait un foyer. Elle est prématurée 32 semaines, ce qui maintenant est banal. Petite détresse respiratoire transitoire, pas d'infection fœto-maternelle. C'est le troisième enfant d'un couple non apparenté. Il y a une dermatite atopique chez le papa avec une allergie aux acariens, un tabagisme actif chez la maman et un reflux traité à l'âge de 6 mois par les IPP. Alors, première bronchiolite à 11 mois, deuxième bronchiolite à 12 mois, avec une pneumopathie de lobe inférieur droit, traitement par ventoline pérose, corticoïde pérose, amoxicilline, et comme c'était une enfant qui était hospitalisée pour sa bronchiolite, considérée que c'était un facteur de risque, donc mise sous Flixotide. Malgré ça, persistance d'une exacerbation par mois, avec un wheezing, une toux grasse productive, pas de fièvre, et du coup, deux nouvelles hospitalisations qui ont montré la persistance d'un foyer du lobe inférieur droit et du lobe moyen. Pas de fausse route. Au repas, on interroge les parents, ils ont rien remarqué. Pas d'autres organes infectés, c'est-à-dire elle ne fait pas des ostéomyélites, des infections cutanées particulières, et on n'identifie pas particulièrement de bactéries ou de virus. Elle a eu 13 kg 2, 90 cm, saturation 96, fréquence 20, pas de signe de lutte. On a l'impression qu'il y a une diminution du mouvement vésiculaire à droite, sans sibilant ni crépitant, et puis elle a une gorge propre, un tympan, des tympans normaux. Et les parents vous disent, ben voilà, on a fait cette radio, et cette radio-là, elle l'a depuis toujours. Enfin. Donc là, vous avez effectivement... Donc, on lui fait un premier screening. Pas un screening tuberculeux, mais elle est normale, donc pas de lymphopénie, pas de neutropénie, pas d'anémie microcytaire, un examen rénal normal, des tests cutanés faiblement positifs pour l'œuf. Faut-il s'arrêter là? Il y a un foyer qui persiste, et puis les parents vous disent que... elle est pas bien. Donc vous allez... Qu'est-ce que vous allez proposer? La fibro, le scan et la fibro. Tant qu'on y est... Oui. Alors vous dites, elle a eu un traitement par les IPP, peut-être que, et si je faisais peut-être lui faire ça. Est-ce que vous allez lui faire une FR? Petite, hein, 2 ans. Et après? La liste. La liste. Je sens la liste. Je sens la liste. Cet enfant, elle a des antécédents de... terrain atopique familial important. Même elle a eu des manifestations, elle siffle régulièrement. Enfin, une auscultation qui est un peu particulière quand même, c'est-à-dire qu'on entend moins la basse droite à droite qu'à gauche quand même. On peut siffler avec un cœur étranger. On peut siffler avec un cœur étranger. Donc si on regarde les hypothèses, peut-être. Peut-être. Possiblement. Probablement, il y a déjà une arrière-pensée quand même. Enfin, on a quand même trituré les parents. Hein. Vous n'avez jamais été votre fille qui était en train de manger quelque chose dans la boue? Ben non, pas un truc. Ensuite. Le refus immunitaire, non, puisque ça a été testé. Oui.
Des dB. Bon, elle, ça ne fait pas des dB sur la radio, elle a fait. Les dosages, c'était bon. Ça fait pas. Enfin, pas fait grosse DDB quand même. Elle a déjà eu ça comme examen, donc c'était juste une petite chose. Les deux âges, c'est bon. Alors, pour l'instant, on en est là. On en était là. Donc, sur l'aube moyen, est-ce qu'il peut être à l'origine? On aurait plutôt mis des. Des pointillés, hein, plutôt. Ouais, la trichomation en pointillés aussi. Donc, on avait dit, on commence par faire un scan. Ah. Oh. Un scanner chargé. Le radiologue, il ne s'est pas foulé. Hein. Si vous répond. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Il y a plusieurs choses, quand même. Hein. Le champ droit est noir. Enfin, il y a une hyperclarté qui est plus d'ailleurs lobe moyen, lobe inférieur que dans lobe supérieur qui est là. Ça, c'est le poumon gauche qui est normal. Et puis là, il y a quelque chose. On a l'impression que sa branche souche droite est obstruée par quelque chose. Donc, par quoi peut être obstrué une bronche chez un enfant de 2 ans? Le corps étranger, numéro 1. Non, l'arc aortique, c'est au-dessus. C'est sur une tumeur endobronchique. 2 mois, c'est rare, mais ça existe. 2 ans plutôt, c'est rare, mais ça existe. Pardon? On reste dans le corps étranger, là. Oui. Donc, le seul moyen de savoir, c'est d'y aller. Donc, on y va. Donc, vous avez sa trachée avec le mur postérieur, des sécrétions déjà. Hein. C'est dégueulasse. Hein. C'est presque aussi dégueulasse que le déficit immunitaire. Et là. Non, c'est pas vert, ça. C'est jaune. C'est jaune. Il faut aller chez l'ophtalmo, là, ce soir. Dès ce soir. La plus fréquente des corps étrangers chez un petit, c'est la cacahuète, hein. Enfin, chez nous, en métropole. C'est la fèvre. Et donc là, ma chef de clinique, qui adore bricoler, a essayé de passer une pince panier, de toute façon à. Ne vous penchez pas à gauche, ça va. Vous ne verrez pas plus. Donc essayez de l'enlever par. Voilà, vous avez là le panier. Et l'idée, c'est d'arriver à coincer le corps étranger et on ressort tout en même temps. Elle là, puis paf, elle le perd. Elle l'a plus. Voilà. C'est une cacahuète ? Ouais, une cacahuète. Et en fait, ce que l'on voyait, c'était le granulome. Ah, oui. C'est pas la cacahuète qu'on voyait aussi. Alors, l'hyperclarté, elle est liée à l'hypoventilation. Et en fait, comme un amphithéâtre obstrué, vous soufflez dans un truc à clapet. Donc, l'air rentre, puis il ne sort plus. Donc, la cacahuète. Même si c'est un enfant qui siffle, c'est ce que tu disais, je crois, hein, le nombre de fois où on s'est fait avoir, un enfant qui fait une nouvelle crise d'asthme, une nouvelle exacerbation, un petit, c'est pour ça que quand il n'y a pas la séquence, le nez qui coule, il tousse, il siffle, il faut se méfier. Et lui, enfin elle plutôt, avec ses manifestations, elle était encombrée en permanence et ces épisodes d'encombrement se surinfectaient. Et donc, ça ne donnait pas le tabou classique de le nez qui coule, je touche, je siffle. Voilà, pareil. Là, vous avez, pareil.
Et, vous avez, et en fait, c'est plus, ça n'a pas la même couleur. Hein, vous allez voir quand on va aller. Ça, c'est vert. Oui. Voilà. Vous avez anticipé. Oui. Alors, il y avait un dogme avant, hein, c'était le corps étranger, c'est le tube rigide. Le corps étranger, c'est le tube rigide. Et maintenant, on sait qu'on peut en enlever, mais c'est très bien d'avoir en backup le tube rigide. Hein, mais on peut très bien enlever un centre de corps étranger avec des tubes souples et des petites pinces paniers qui rentrent dans le canal opérateur, le petit canal opérateur de l'endoscope. Alors c'est toujours un jeu, hein, parce que nous on fait oui, c'est la commande à la foi du trône. Donc on fait ça avec l'ORL qui est derrière en cas de besoin. Ça veut dire que si on n'arrive pas, il faut passer au tube rigide. Et en fait, nous, historiquement, à Necker, on s'est séparé le travail. C'est-à-dire que nous, on fait le souple et ils font le rigide. Donc, comme on est dans la même pièce, on a besoin d'eux, si on n'arrive pas à l'enlever. Donc. Alors là, par exemple, c'est une grande fille de 15 ans. Et cet enfant était traité depuis un an pour un asthme. Avec un foyer qui persistait gentiment. Donc, malgré son traitement, donc elle est venue en France en vacances, et là, elle a fait un accident un peu plus de dyspnée un peu plus importante. Elle est arrivée aux urgences, où à l'auscultation, il y avait une asymétrie importante, et on n'entendait rien à gauche, et pour cause, puisque sur le scanner, elle avait une atelectasie complète de son petit poumon gauche. Et vous voyez ça? Que peut être une olive. On lui a fait sa fibro, et donc là, traché. On va regarder à droite quand même, un peu, toujours aller regarder du côté apparemment sain. Non. Chez l'enfant, c'est kiff-kiff, hein. Pareil. Donc là, tout va bien, donc on repart et on va regarder du côté gauche. Et du côté gauche, qu'est-ce que l'on voit? C'est pas un diabolo. Non, non, parce que si ça avait été un diabolo, ça aurait été perméable et donc elle aurait eu un sifflement. C'est capsule de bique. C'est vrai, voilà, c'est ça. Il suffit, vous avez ça dans la bouche comme ça. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où, un, chez l'enfant, il faut toujours penser au corps étranger, ça doit faire partie, comme le déficit immunitaire chez les enfants qui ont des pathologies bilatérales, pathologies d'un seul côté, en sachant que quand il se bloque dans le tronc intermédiaire, c'est-à-dire après le lobe supérieur, on va avoir lobe moyen et ou lobe inférieur, donc droit, donc ça peut être les deux lobes. Donc il faut avoir, c'est la hantise, le corps étranger. Pas de cacahuètes dans les familles où il y a des enfants de moins de 3 ans. Ou alors, si vous venez manger après 10 heures quand les enfants sont couchés. Mais... Cinquième cause de décès avant l'âge de 20 ans. Hein. Ouais. Donc, chez les petits, c'est arachides, fruits à coque, toutes les graines que vous voulez. Et après, les petits jouets en plastique, les pins, les piécettes. Enfin, c'est pas la piécette de 2 euros. Hein. C'est des petites piécettes chez... Et vous voyez, ça c'est un petit corps étranger qu'on avait eu dans le service. Un enfant qui avait développé un asthme quasiment comme ça, de but en blanc, et qui avait ça posé sur la carène. Ouais. Un petit morceau de plastique. Donc, présentation, c'est très variable, ça c'est clair. Au niveau de la trachée, c'est vrai que c'est plus rare, mais enfin, c'est quand même central, et donc ça, il y a un risque d'apnée, de grande détresse respiratoire. Quand c'est dans une bronche souche,
certain nombre d'opérations est moins sévère, et puis ça, bah, ça siffle. Hein. Tout ce qui réduit le calibre des bronches chez l'enfant, ça fait, un petit enfant, ça fait siffler. Et puis ça peut rester asymptomatique longtemps, ça, c'est clair, et se révéler par des dilatations des bronches. Et vous voyez que selon les études, le syndrome de pénétration, on retrouve dans 76 à 92% des cas, donc on ne retrouve pas toujours. Toujours. Et même des parents qui sont, ils sont confiants, mais on peut ne pas le retrouver. La radio, la colle corps étranger radio opaque, c'est une bonne chose, hein. Mais il ne l'est pas toujours. Et puis ça va donner soit des atelectasies, soit des emphysèmes. C'est le problème, enfin, c'est ça fait un phénomène de clapet, donc ça va donner un emphysème, ou alors ça va donner une obstruction complète avec une atelectasie. Donc la radio, elle peut être normale, mais syndrome de pénétration, même radio normale, fibro. Et dans ces cas-là, c'est vrai que les recommandations, c'est de commencer d'abord par une fibroscopie plutôt que par un tube rigide d'emblée, parce que c'est quand même moins traumatisant. Et puis, c'est vrai, il est dit, mais on ne le fait pas souvent, que quand on n'arrive pas à faire un cliché inspi-expi chez l'enfant, on peut les coucher sur le côté, ce qui est l'équivalent de coucher sur le côté droit, c'est l'équivalent d'une expiration droite, et coucher le côté gauche, c'est l'équivalent d'une expiration gauche. Mais les radiologues, les manipulatrices pédiatres, pédiatriques, savent très bien faire un cliché inspi-expi chez l'enfant. Ils prennent, ce qu'ils font, c'est que alors chez les grands, ça ne pose pas de problème. Chez les petits, ils font ça au temps du cri. C'est-à-dire que quand ils mettent l'enfant et ils gueulent un bon coup, radio en inspiration, puis à la fin du cri, radio en expi. Donc, alors, c'est aussi souvent à droite qu'à gauche les corps étrangers. Trachéal, c'est rare, mais la radio peut être normale. Hein. Quand c'est dans les bronches, ça peut donner du trapping, de la télécrasie, mais ça peut être également normal. Hein. Donc, il faut qu'il soit obstructif pour faire quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'il peut laisser passer inaperçu. Ça va entraîner une réaction à corps étranger, avec un granulo, qui, tant qu'il est petit, ne fera pas parler de lui. Puis si, quand elle sera complète, c'est comme les tumeurs endobronchiques, tant qu'elles n'obstruent pas, elles ne feront pas parler d'elles. Alors, quelques exemples, là, vous voyez, si on avait une bonne inspi-expi, ben, l'expiration, l'hyperclarté, ça ne passe pas forcément très bien. Alors là, vous avez une agrafe dans la bronche, une vis, c'est pas post-opératoire, hein, c'est vrai. Une dent. Oui, une dent. Ah ben, il y a des enfants. Et là, c'est un os de poulet. L'avantage de l'os de poulet, c'est que c'est radio opaque. Hein. Enfin, scano opaque. Hein. Mais tous les corps étrangers ne se voient pas au scan, forcément. Hein. C'est pas bon, facile. Et les plus difficiles, c'est ceux qui sont très périphériques. Vraiment, c'est une galère. Et donc, l'extraction du corps étranger, c'est vrai que la méthode de référence, c'est le tube rigide. Mais actuellement, avec les progrès et surtout le fait d'avoir des tout petits. Oui. Ouais. Non, mais la méthode de référence, c'est demandé. C'est le rigide. Oui, mais c'est la méthode de référence. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut enlever théoriquement 100% des corps étrangers avec un tube rigide. On ne peut pas enlever 100% des corps étrangers avec un tube souple. On ne pourra pas. Mais si on a des gens qui aiment un peu manipuler, bricoler comme ça, c'est assez marrant à faire. Hein. Mais il ne faut pas s'acharner. Il faut savoir passer le tube rigide. C'est bon pour le corps étranger ?